Yo les gars, c'est L'Enfant124, vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est tout, je vais vous présenter. Et c'était une lampe que j'ai récupérée dans les bacs de recyclage. Alors, ça là j'ai pas pensé, mais ça j'ai oublié de la mettre dans l'eau. Dans l'eau de lampe que j'ai récupérée, parce que celle-là aussi j'avais récupérée en vacances. Dans Lidl à côté de chez moi. Et j'avais qu'à, parce que je pensais que c'était une que j'avais déjà chez moi. Mais non, en fait c'en est une que j'avais récupérée. Donc du coup, j'ai oublié de la présenter. Bon, du coup, pire, c'est pas grave, je mettrai récupération d'ampoule hashtag 15.2. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc du coup, c'était cette lampe-là que j'ai aussi récupérée dans le bac de recyclage. Alors, il n'y a pas de marque dessus, c'est juste marqué U dessus. Alors, c'est ouais, une différence de qualité, c'est normal, parce que j'ai oublié de ramener mon autre téléphone. Du coup, j'ai pris celui-là que je me sers d'habitude. Pas pour les vidéos, mais pour YouTube, tout ça. Bah bien, je m'en sers couramment parce que comme je vous ai dit, l'autre téléphone qui est cassé, que d'ailleurs je pense que je vais peut-être me faire réparer l'écran, et bah celui-là va être uniquement pour les vidéos. Bon, du coup, après le problème, comme il n'y a plus la carte SIM, bah du coup la 4G elle marche pas. Donc du coup, si je veux faire une vidéo à l'extérieur, je sais pas me dire à chaque fois à enlever la carte SIM. C'est mieux de faire avec ce téléphone-là pour si je veux faire des vidéos extérieures. Désolé si la voix un peu voilà, parce que j'ai un truc qui est coincé dans ma gorge, c'est chiant. Du coup, comment dire? Ah, ouais, c'est bon. Ouais, comme je vous ai dit, mon autre téléphone va servir uniquement pour les vidéos, mais que chez moi. Et chez elle, va servir pour les vidéos extérieures, tout ça. Et pour autre chose, il va me servir couramment ce téléphone. Donc, du coup, c'est une ampoule de marque U. Du coup, je pense que c'est peut-être le Hyper U, je pense. 15 watts, 240 volts, 800 lumens, 2600 Kelvin, du coup, c'est du plan chaud. 50-60 Hz. Marqué CE, fabriqué en Chine, non variable. C'est une impressante avec un petit aérateur. Alors j'aime bien le design de U. Ça fait comme ça, c'est un peu comme la Philips Genie. Donc du coup, je vais l'installer. Ah, aïe, c'est quoi qui vient me piquer? Il y a un truc par terre, je sais pas ce que c'est. Oh, ça. Je sais pas ce que c'est. Hop. Bon, on voit bien que la qualité elle est un peu merdique. Mais bon, c'est normal parce que c'est pas mon. C'est pas ce téléphone-là, normalement, je m'en sers. Que pour autre chose. Oula, je sais pas ce que c'était. Moi, j'avoue, la caméra, elle est un peu bizarre. Alors, j'essaye de trouver les électrodes. Tiens, elles sont là. Alors, c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Et elle fonctionne nickel. Et elle a un joli préchauffage des électrodes. Du coup, c'est cool. Alors, les électrodes sont un peu bleues. Elle est pas si marquée que ça. Mais pas si marqué que ça, mais elle fonctionne nickel. Du coup, voilà. Bah, du coup, elle fonctionne nickel. Du coup, finalement, en fait, en comptant tout, en fait, c'est pas 9 lampes que j'ai récupérées, c'est 10 lampes. Donc, du coup, bon, allez, c'est. Il y en a pas d'autres, je les ai rangées dans mon. Je les ai rangées là-dedans. On va dire que bah au total ça fait 9 lampes sur 10 qui fonctionnent. comme une qui marche pas. Du coup voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça, ce truc-là, c'est pour mon spot parce que je vais installer ça. L'ampoule, le flocon pack que j'ai récupéré dans le bac de recyclage, celle qui était encore emballée, toute neuve. Du coup voilà. Allez, ciao!